Oui, hello Madame Dujardin? Oui, bonjour Laurent, votre conseiller immobilier de l'agence de l'inhabitable. Voilà, vous allez bien? Ah, je me permets de revenir vers vous quand même parce que là, cette fois-ci, je pense que je tiens vraiment une demeure, mais vraiment magnifique, magnifique. Oui, une demeure de 4 pièces, parfaitement agencée, avec un salon avec une baie vitrée donnant sur un jardin qui fait le tour de la maison. Vraiment magnifique. Je pense que vraiment, il faut que vous veniez visiter. C'est ah, le jardin. Alors, bah, le jardin, il est. Alors, le jardin, il n'a pas de délimitation, hein, et vraiment, il s'étend sur quelques mètres. Bon, alors le, bah, vous sentez, non, 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 le jardin, il est bien, mais il n'est pas qu'à vous. Ah oui, c'est aussi le jardin public. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Ah, bah, ce qui est bien, c'est que pour vos enfants, au moins, ils auront toujours des copains et des copines pour jouer, hein. Ça, il y aura toujours du monde à la maison, c'est super, hein. Oui. À la tranquillité, on la perd un petit peu, ça c'est sûr, mais si vous fermez les fenêtres avec double vitrage, vous n'entendez plus rien. Il y aura du monde devant la fenêtre? Oui, bon, alors là, des doubles rideaux, hein, et comme ça, vous êtes bien, et puis vous pouvez profiter du jardin quand il y a personne. Ah oui, un jardin public, c'est rare quand il y a personne, mais il y a des moments où la nuit, c'est fermé, puis très très tôt le matin. Non, en tout cas, c'est vivant, hein, ça c'est... Comment? Oui, bah oui, mais on peut pas tout avoir, madame du jardin. On peut aussi faire quelques petites concessions, hein, c'est qu'un jardin après tout. Ah oui, donc là pour le coup, vous préfériez qu'il n'y ait pas de jardin et garder que la demeure. Ah bon, je comprends. Bon, écoutez, Madame du Jardin, on va le mettre de côté, ce bien-là, cette demeure, mais quand même, non, pas du tout. Non, 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 non. Un jardin juste pour vous et pas jardin public. Bon, écoutez, Madame du Jardin, on se recontacte et puis on voit ce qu'on peut faire, trouver la même chose, mais sans jardin du coup. D'accord? Bon, au revoir Madame Dujardin, et puis bonne journée. Au revoir Madame Dujardin, au revoir. C'est sûr que c'est une maison plus conviviale que familiale. Là, on vit en permanence avec tout le monde. On ne les connaît pas. Ouais, c'est compliqué quand même.